Oui. Qui sera le candidat du RHDP en 2025? Est-ce qu'on sait le dire à cette date? À quelle élection? Présidentielle. Ben, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Alassane Ouattara. Mm-hmm. Il ne l'a pas dit. Ah, il ne l'a pas dit? Oui. Ben oui, il ne l'a pas dit, mais moi, je le dis. Ah bon? Okay. Excusez-moi, je sais que ça c'est un sujet bon, hein, à polémique, mais pour moi c'est pas un sujet à polémique. Mm-hmm. Je suis dans un parti politique, il faut comprendre les choses de façon simple. Hein. Les jeunes qui sont là, le public qui est là, il faut que les Si le comprenne. Président décide de ne pas se représenter, je suis dans une organisation faite d'hommes et de femmes, qui a des statuts et règlements intérieurs, des règles de fonctionnement, c'est ce que je cherchais. D'accord. Des règles de fonctionnement. Bon, à la tête de cette organisation, il y a quelqu'un qui fait le job. Nous avons. Très bien. S'il décide de ne pas se représenter, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des primaires? Ah, s'il décide de ne pas se présenter, hypothèse pour le moment que je n'envisage pas, mais bon, pourquoi pas. Hein, lançons-nous comme ça dans des supputations. D'accord, on suppute. S'il décide de ne pas se présenter, ben ce qui est prévu dans les statuts, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire ben les statuts prévoient, par la situation, non, le mode de désignation, ou bien... C'est quoi le mode? Le mode, c'est deux choses. Ou bien on désigne quelqu'un. Comme ça a été fait avec Feu Amadou Gonclou. Par exemple. Ou alors, on fait des primaires. Des primaires, très bien. C'est la deux voies.